Wird hier eine Spinatsuppe gekocht? Nein, hier werden Mikroalgen produziert, und zwar aus Nebenprodukten der Lebensmittelindustrie. Dieser Photobioreaktor steht auf dem Gelände von Frigemo, einer führenden Firma der Schweizer Lebensmittelindustrie und Partner des Projekts Apropos. Hier entstehen Mikroalgen aus Abfall. Die Idee ist, das Wasser, das zum Blanchieren von Kartoffeln genutzt wurde, weiterzuverwerten. La production de microalgues offre une possibilité de valoriser les eaux qui découlent de nos processus. Le projet Apropos a pour but de tester si les eaux usées peuvent être utilisées comme nutriments directs pour les algues qui sont de ce réacteur. Frigemo apporte ainsi une contribution importante à la recherche vers un système alimentaire plus durable en Suisse. Il s'agit aussi à l'avenir de disposer d'une solution moins coûteuse et moins complexe pour le traitement des eaux usées de notre entreprise. Pour démarrer la culture dans le photobioréacteur, nous devons préparer une préculture ici dans le laboratoire d'Agroscope. Elle est acheminée ensuite chez le site industriel de Frigemo et introduite dans le photobioréacteur avec le milieu nutritif qui est préparé avec les effluents des pommes de terre. Avec cet échantillon, je vais m'assurer que les nutriments dans ces eaux sont complètement utilisés par les microalgues pour fabriquer ces protéines et garantir ainsi le modèle d'économie circulaire. Aber wozu diese Mikroalgen? Sie sollen als proteinreiches Futtermittel für Nutztiere dienen. Denn Mikroalgen bieten einige Vorteile. Ernährungsphysiologisch sind sie mit Soja vergleichbar. Der Rohproteingehalt ist sogar höher. Sie liefern 30 Mal mehr Eiweiß pro Hektar und Jahr. Für ihre Produktion wird kein Ackerland benötigt. Die Photobioreaktoren können an Hausfassaden oder auf Dächern angebracht werden. Für die Herstellung von Mikroalgenprotein wird 20 Mal weniger Wasser verbraucht als für Sojaprotein. Dank des geschlossenen Produktionssystems können keine Stickstoffemissionen entstehen und die CO2-Absorption der Algen ist sehr effizient. Ici, on vérifie que les espèces choisies répondent aux exigences de sécurité alimentaire, que les cellules se développent correctement, c'est-à-dire qu'elles sont en bonne santé. Nous faisons des récoltes à Frigemo de façon hebdomadaire. Et la fraction prélevée est soumise à cette étape de filtration qui nous aide à séparer la biomasse microalgale de l'eau de culture. Le dispositif est très performant et il nous permet d'éliminer 90% de l'eau de culture dans quelques minutes seulement. Ensuite, on va continuer la concentration par centrifugation et lyophilisation pour les besoins analytiques, même si l'objectif est que cette sorte de soupe ne subissent véritablement pas de traitement supplémentaire avant d'être donné aux animaux. Das langfristige Ziel ist es, dass die Landwirte und die Industrie die Algen direkt auf ihrem Gelände selber produzieren können und so über eine nachhaltige Proteinquelle für Nutztiere verfügen.